Salut à tous, c'est JBF pour WE are FPV. Alors moi je vais roder des 1300 mH de chez Tatu. Donc dans cette vidéo je vais vous apprendre à les roder et à les utiliser correctement. On va commencer par le vol, on va pas faire un vol très long et on va surtout éviter de tirer dessus, c'est à dire qu'on va pas mettre des full throttle ou des trucs comme ça. Alors premièrement ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut réussir à décharger la batterie à environ 50%. Voilà, donc on peut voir que 40% c'est 3,79 volts, 50% c'est 3,83 volts. Donc vous pouvez retrouver des tableaux comme ça sur internet très facilement. Alors pendant que je vole, je vais essayer de vous expliquer le principe du rodage le plus clairement possible. Le rodage, en fait, il sert à maintenir vos batteries en vie le plus longtemps possible et à exploiter le maximum de leur puissance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la lipo, il y a un mélange acide et il y a aussi des plaques en général en zinc, et l'électricité va circuler sur ces plaques-là. Normalement, ce qui devrait se passer, c'est que l'électricité devrait circuler de manière uniforme sur ces plaques. Et si vous ne rodez pas les lipos, essayez de vous imaginer un train avec beaucoup de foule à l'extérieur. La foule va vouloir rentrer dans le train, mais les portes ne seront pas assez grandes pour que tout le monde puisse passer. Et bien c'est exactement ce qui va se passer sur vos plaques. Il va y avoir des petits filets d'électricité, alors qu'il y a beaucoup plus d'électricité qui aurait pu circuler si vos lipos étaient rodés. Et donc ça va créer une baisse d'énergie, et ça va faire gonfler vos lipos plus vite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voler tout doucement et on va faire un ensemble d'environ 10 à 12 vols. Une fois que j'ai fini mon vol, je mets la lipo à l'air. Puis ensuite je prends un feutre et je fais une petite marque en guise de compteur de vol. Donc là on peut voir que j'ai fait 2 vols sur 10. Ok, maintenant on passe à la charge. Alors on peut voir que la charge va durer 56 minutes, qu'il y a 4 cellules, et je la charge en 1A. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais la charger tout doucement. Voilà, donc on branche la prise d'équilibrage, on branche le XT60 et on enclenche la charge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à la chaîne de WE are FPV. Voilà, c'était JBF pour WE are FPV et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.